Au vlog de Nosecade aujourd'hui, on parle de possibilité de, avec la Pico 8, oui, encore une fois, c'est le sujet de l'heure. Et je parle en question, c'est pas juste une console qui se joue sur votre ordinateur via votre navigateur web, c'est Internet, c'est multiplateforme. Je vais vous montrer que vous pouvez jouer n'importe où avec les jeux de Nosecade Soft et tous les autres jeux de la Pico 8. Or, le site de Lexalawful, c'est le vlog qui commence. Premièrement, je voudrais, avant d'aborder le sujet, je voudrais vous dire que là, je poste mes vlogs sur Facebook parce que je me rends compte que le monde, on dirait que quand on poste un partage d'une vidéo sur YouTube, sur Facebook, le monde n'a aucune fucking attention sur le lien. Aucune zéro interaction, à rien, à rien, à rien. On dirait que Facebook est devenu comme le YouTube des Québécois. Ils vont pas plus loin que ça, ils sont pas capables de taper sur le lien pour être, par curiosité. Ça leur prend une vidéo qui bouge dans le. Dans les abonnements Facebook, esprit pour qu'ils voient que c'est une vidéo. Puis quand c'est un partage sur YouTube, c'est juste une petite image, puis le titre, c'est pas intéressant. Alors, écoutez, là. Hein? Va-tu falloir qu'on mette nos émissions de Losky directement sur Facebook ou ça attire du monde, hein? Fin de la parenthèse. Je vais vous dire. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on est sur YouTube, c'est sur YouTube que ça se passe. Je vais vous dire que la Pico 8, quand vous voulez jouer, vous pouvez jouer directement sur mobile. Et ici, je suis sur la page via le navigateur Firefox pour mon téléphone, sur la page Pico 8 Beigelay. Et là-dessus, vous pouvez jouer au jeu directement dans le navigateur. Si vous tapez dessus, ça ouvre la console. Et vous pouvez le mettre plein d'écran avec le petit carré en haut ici, là. Comme ça. Et en plus, je sais pas si vous voyez bien comme il faut, on ne voit pas l'écran en tout, hein? Oui, on a le D-pad tactile qui apparaît à l'écran. Et moi aussi qu'on a besoin de le voir. Le D-pad ici et les deux touches O et X qui sont pas identifiées, mais vous allez vous le retrouver facilement. Puis c'est ça qui est le fun. On peut y jouer directement sur nos téléphones si je touche la bonne touche. Alors, c'est sûr que le jeu. Le jeu Dice Jack est sorti récemment, que j'ai sorti récemment. Ok, on s'entend que la toile du jeu est verte, là, c'est parce que j'ai mon chroma key en arrière et ça passe au travers. Oui, j'ai pas de tête. Donc, vous voyez, vous pouvez participer au jeu de la Pico 8 directement sur votre téléphone avec le tactile intégré en mettant plein écran. Le problème avec la Firefox, pourquoi je regarde là? Le problème avec la Firefox sur mobile, c'est quand vous tapez double tape deux fois, ça fait comme apparaître l'espèce de petit menu fatigant de copier-coller qui apparaît en haut. Moi, vous jouez sur Chrome mobile, sur le navigateur Chrome mobile, ça pour vous dire que ça marche bien sur le navigateur. Par contre, je voudrais vous dire que le 4 novembre au soir, non, je vous disais, sur tablette, étant donné que le poids des tablettes n'ont pas des écrans vraiment aussi rectangulaires qu'un téléphone, au niveau de la mise en page, OK, ça marche toujours pareil. Le D-pad est toujours là, à peine vous voyez. Mais quand on joue, je vais vous dire, on perd une partie de l'écran. Et voilà. Puis je perds ma tête aussi en même temps. Chroma key. On perd une partie de l'écran. Et c'est mal proportionné. C'est vrai que pour moi, d'après moi, si l'Excel pourrait régler ce problème-là une fois pour toutes. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que vous pouvez jouer au jeu Cascade Soft de la Pico sur Pico 8 directement sur votre tablette ou votre téléphone. Je recommande plus le téléphone parce que les tablettes ne sont pas aussi rectangulaires de l'écran que les téléphones. C'est bon, c'est pas mal plus ajusté pour les téléphones au niveau mobile. C'était le blog de Cascade. Avec ma petite montre de lait, puis vous m'expliquez que la Pico 8, vous pouvez jouer au jeu de Lost Kate Soft. Et c'est Lost Kate Soft, c'est dans la Pico 8 que ça se passe maintenant, parce que les prochains jeux, ça se développe. Déjà, Dice Jack est sorti, Gorg Unlimited, et le jeu Moon Recon, qui est une espèce de version un petit peu plus modernisée de Moon Patrol, sans la possibilité de votre joueur de faire sauter son Jeep, c'est seulement tir à haut. En tout cas, je vous invite à jouer à ces jeux-là directement dans votre navigateur web, direct sur mon site, ma page, Lexalawful. On put les liens below. Et on se dit à la prochaine.